Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre folle aventure avec God of War Ragnarok, épisode 52. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir. 4K 60 FPS, on n'oublie pas le jamais le commentaire. Et c'est parti, on va enfin récupérer ça. Ah! Regarde, à droite. Tu brûles, Attends. Ça passera. Bien, je peux avoir les deux. Ça m'a secoué le crâne. Oh la vache. Ok. Voilà. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. Ça va être chaud de fou. On commence, on se fait casser la gueule direct, les gars. Ok, waouh, le début d'épisode, il est quand même bien. Il est quand même bien. Bien cocasse, hein, comme on l'aime. Hein. On va aller tranquillement se balader ailleurs, voilà. Hein, on n'a rien vu. On reviendra un petit peu plus tard. Je pense que pour tuer ces voilà dans les plaines. Deux personnes, c'est bien plus beau maintenant que l'eau coule à nouveau. Il faudra, à mon humble avis, plus les chaînes. Vous l'aurez compris. Hop, ça on prend. Voilà, merci, au revoir. On va passer par ici, superbe. Oh là là, bah ouais, faut venir de nuit, quelle angoisse. Vous sentez? On est près d'un terrain de chasse. Il doit être en chasse. Nous reviendrons à la nuit tombée. Ok. Voilà cette terre débarrassée d'une autre excroissance. Bon, allez, on doit repasser de nuit. Vous l'aurez compris. Si nous passions au bassin. Éliminer le Druki. Eh les gars, on a beaucoup trop de choses à faire. On a beaucoup trop de cassage de gueule à faire dans les règles de l'art. Très bien. On a quoi ici? On peut passer ou pas? Bien sûr qu'on peut passer. Pour en revenir à mon anecdote sur les sorcières des Landes, elles prédirent au baron qu'il allait accéder au trône. Elles aient offert l'histoire d'une foule de détails qui allaient se réaliser, de telle manière que le baron y verrait une confirmation. En un rien de temps, il entra dans leur jeu et il assassina son roi, alors que celui-ci dormait sous son toit. Et il est temps d'y aller. L'histoire attendra. Ok. Les amis, alors, où aller? On peut aller partout. Néanmoins, qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est pas cool. Ils sont plutôt petits. Magique? Ils sont un peu étranges. Chagrin, on va passer en mode nuit. Que veux-tu qu'on fasse à leur sujet? Je sais pas. Peut-être que si on revient la nuit, ils auront changé. Eh ben, on va faire ça de ce pas. Allez, on repasse en mode nuit. Day and night. Let's go. Ok. Allez, alors. Nous sommes de nuit, vous l'aurez compris. Là, on se casse. On récupère... Oh putain, ça c'est... Pourquoi mettre ça les gars? Ça pue sa mère. Ok, ça je prends. Ok, là il y a des soins un peu partout. Ça, c'est nul. Hop, c'est mort. Voilà. Pas de soucis là-dessus. Et ça... On prend. Bien. Bah écoutez, on est reparti. On est reparti. Petit, j'ai cru comprendre que tu avais fait la connaissance de la fille de Thor. Oh putain, j'aurais dû acheter. Oh, je suis oui, con. Hey, Rude est super. Elle veut devenir une Valkyrie et elle en a l'étoffe. C'est pas grave, bien on sûr, va encore se battre pendant 2 heures. Je vais te raconter sur les Valkyries qu'on a affrontées. Mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait cru. En tout cas, elle n'a pas aimé ce que je lui ai dévoilé sur son grand-père. Il est quelquefois difficile de voir la vérité sur sa propre famille. On la prend parfois à ses dépens. Ok, on est parti. Alors,
Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Si nous descendons là, nous devrons nous battre. Ce Dreki ne nous laissera pas passer sans faire d'histoire. Ouais. On a affronté des Valkyries. Qu'est-ce qu'un Dreki? Je lui ai retiré, quasi pas de vie, ça fait plaisir. Reprends-toi, mon frère. Avec passage de gueule. Ok. Ok. J'en ai marre. Les gars, ça fait deux épisodes, on en prend plein la gueule. Tu sens que c'est presque la zone finale. Waouh. En vrai, je vais faire un petit aller-retour. On va s'acheter... je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. On va s'acheter immédiatement de quoi se relever. On va tuer le Dreki. Et on va aussi... On va aller en profiter. Bon, pour pas faire un aller-retour pour rien... Pardon, excusez-moi, j'en dégueule. Pour pas faire un aller-retour pour rien, on va carrément aller acheter le bordel. Et on va aller à l'éclair. Hein. On sait jamais, il y aura peut-être un autre dragon. N'oubliez pas qu'il y a encore un autre dragon de l'autre côté. Ça s'arrête jamais. Je crois que ça va durer 14 épisodes, hein, réel. Ici, accueilli chez lui son roi et l'assassinat dans son sommeil. Ça attendra. Restez sur vos gardes. Ok. Allez, on est reparti. On va acheter de quoi pouvoir se réa tranquillement. Parce que ça, j'avoue que ça paraît presque indispensable. Ni chaud ni froid, hein, je m'en bats les couilles. Hein. J'ai tracé, j'en ai rien à péter. Hein. Allez, let's go. C'est un petit aller-retour, mais plus que nécessaire, vu dans lesquels nous sommes dans la merds. Ok, très bien. Hop, ça, on prend. Je te prends les poèmes de toi. Des fois, j'aime très bien. Essayez. Allez. De les piger. Objets spéciaux, ressources. Tant que je m'occupe. Et ben voilà. Et ben voilà. Une poignée, ça sert à quoi? Charge une épée pour sacrifier de la santé. Oh, la vache, non, ça a l'air très dangereux, ça faut peut-être pas faire ça. On est bon. On taille la route ou bien le bout de gras? On est bon. On est reparti, on va voir ce qui se passe autour de l'éclair. Bon, on a des bêtes partout. Eh, on va se faire éclater la gueule de tous les côtés. C'est incroyable. On va voir ce qui se passe du côté de l'éclair. N'oubliez pas qu'il y a encore des dragons aussi de l'autre côté. Les gars, quand je vous dis que ça s'arrête pas, c'est que pour le coup, ça ne s'arrête pas. Où est mon bateau? Il est de toute évidence pas là. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on va les passer par ici. Et on va récupérer... Ah, putain, mais ils auraient pu fournir un autre bateau, les gars. Hein. Eh, les gars, soyez sympas, donnez des bateaux, là. Hein. Vas-y, on va faire les choses en ordre, sinon on va jamais s'en sortir. Allez, on va casser dis-moi, la gueule petit, du bordel. Est-ce que c'est à trop que tu pensais quand tu voulais savoir? Oui, c'est incroyable, les non. amis. Tout enfin, ça n'est que une putain de quête secondaire. C'est dingue. Et cet enchaînement n'est Skulder que, aime bien ne sont que des quêtes annexes. Mais tout ce qui compte pour elle, c'est devenir une Valkyrie. Allez. Ne pense qu'à ça, tu vois. Tout à fait, petit. Tout à fait. Sache en tout cas que si tu as besoin de revenir sur ce dont on a discuté... Je sais. Ça va. Oh, j'ai pas vu à gauche. C'est bon. Incroyable. Attends, c'est dingue ça, du biche.
peux y aller comme ça? En un petit coup de grappin? Non trop. Donc là. Là c'est parfait. Voilà. Ok, superbe. Ça c'est très très bien. Superbe. Allez, on est reparti. On va essayer de récupérer sa vie au calme comme ça. C'est déjà pas mal. C'est bon, on y arrive. Wow. Ok. Et hop, ça c'est pas tout ça. Ok, ok. Qu'il est con ce gamin, bordel de merde. Allez, viens par ici, toi. Allez, let's go. Allez. Et comme ça, en plus, on garde incroyable. On garde notre pierre de berserk. Superbe. Merci, au revoir. Vous savez, je regrette les gentils dragons de Midgard. Eh ben... Bon... Cassage de gueule en bonne et due forme, on passe à la suite s'il vous plaît. Circulez. Y'a rien à voir. Ok, 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 ok. Là on est bien. Ok. Là on est bien. Et là qu'est-ce qu'on a? Ce cristal aurait besoin d'un bain. Tu ne crois pas ? Ok. Bon. Écoutez, mes amis. Nous sommes très très bien. Donc, nous étions dans le repère de hop, notre ami le Dreki. On va voir ce qui se cache là-bas, pardon. Là, il y avait une quête, évidemment. On va la rendre. Allez, superbe. Heureux, mon pote ! Je vais vivre et lever le coude à nouveau. Enfin. À Folkwanger, du moins. Je vais enfin retrouver mon ami et me faire pardonner. Tu nous dois d'abord une histoire. Oui. Maintenant, je me souviens. Le jour où la vallée fut détruite, Thor brandissait dangereusement son marteau à travers la ville. Tout le monde était terrifié. Puis, une guerrière aux cheveux clairs lui fit obstacle, et un combat s'ensuivit. Cette femme était brave. Cette guerrière aux cheveux clairs devait être Faye, mon frère. Oui, mère a affronté Thor. Je ne sais. C'est quoi ça? Augmente les dégâts au corps à corps lors de glissement de royaume. Et ça,
augmente les dégâts infligés par toutes les attaques morts venues du ciel de Kratos. Très bien. Et ça, les coups finaux de combo chargent davantage les jauges de Fermarin. C'est un compliqué, mon frère. Ok. Bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien. Qu'à cela ne tienne, comme on dit. Très bien. Condition d'atout, vitalité, 20-46. Oh, il me faut beaucoup plus de vie. Ok, ok, ok. Chance très élevée d'obtenir un regain de santé à chaque élimination par attaque runique. Très bien, très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va mettre ça, hein, tout simplement. Hein, ça me paraît pas mal. Hein. Allez. Si c'était du courage ou de la témérité, rares sont ceux qui survivent à un combat contre Thor. Faye n'a jamais parlé d'un tel combat. Tout le monde a ses secrets. Nous ne sommes pas certains qu'il s'agissait de Faye. Certes, il n'y a qu'une façon de le savoir, mon frère. Qu'est-ce qu'on prend ? J'en ai plus une putain d'idée. Attends. On est encore dans une nouvelle zone ? Il appelle d'autres feux follets ! Allez. Aucun. Très bien, ça dégage. Arrête ce faux follet. Très bien, j'ai dit ça dégage. Je sais même plus où je suis. Ok, on est là où on peut changer l'espace-temps. Très bien. On va passer par où maintenant? On va passer par là. Et on va aller à ce putain d'éclair. On va faire le dragon. Ah, il y a trop de choses à faire. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fin. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Attendez, ça c'est pour la miniature. Superbe. On passe à la suite. Mimir, quand j'étais à Asgard, j'ai vu Odin faire quelque chose à de nouveaux Eneria. Ils avaient l'air sans vie jusqu'à ce qu'il leur jette un sort qui leur a rendu leur personnalité. Oui, il avait cette habitude, même quand ils étaient confinés au Valhalla. Je crois que leur rendre leurs souvenirs était une façon détournée pour lui de tromper la mort. Mais je ne serais pas surpris qu'avec ce semblant d'autonomie, il leur insuffle un sentiment de loyauté infini envers lui. On peut pas aller là aussi ? Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ok. Très bien. Très très bien. On a quelque chose ici, les amis. On a quelque chose J'en ici. J'en reviens à mon c'est histoire. Fou. Un baron de ma terre, influencé par une prophétie... C'est fou tout ce qu'on vit, je vous le dis. ...et l'assassinat dans son sommeil. Garde ça pour plus tard. Allons-y. En gros, ça veut dire ferme ta gueule. Ok, on a un truc à récupérer tout à gauche, vous l'avez vu dans l'eau. On l'oublie pas. Oh, se pétrifier. Allez, quelle est cette quête? Oh. Là, c'est peut-être le dernier. Oh la vache. Ok, bien. Ok. La vache. Wow, 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 get down. Il est rapide. Non. C'est pas grave. Let's go. Je vais te casser la gueule. Okay. Enfin, je crois.
Très bien. Oh là là. Oh là là. Je suis bloqué. C'est dur. Ok. C'est pas grave, on est reparti. C'est du tryhard. Let's go. Ok. Allez, c'est du tryhard, on peut le faire. Là, on va être le dernier. T'es en feu. Okay. Tu dois déjà le savoir. Il est rapide. Vache. Frère. Ok. On va t'éclater la gueule. Oh la vache. C'est pas grave. C'est très bien. Enfin, c'est très bien, non? On a déjà vécu mieux comme situation. Très bien. Allez, marche. Voilà. Let's go. Plus de puits de drogue et plus d'herpa. On a voulu à s'en inquiéter. Oh la vache. Pas quand je suis avec toi, grand guerrier aux muscles d'acier. C'est dur, hein. Eh, c'est dur de fou, hein, les lames du chaos. C'est dur de fou, hein. Wow, vous êtes sans pitié, les gars, sur ce jeu, hein. Oh là là. Bon, il me reste les deux Gugus à faire là-bas. Oh, ils sont sans pitié, hein. Mimir, je ne sais pas comment te dire ça, mais... Odin m'a raconté des histoires, comme celle de son œil perdu. Les détails différaient de ce que tu m'as raconté. C'est toi que je crois, bien sûr, mais... Je ne vois pas pourquoi il aurait menti sur ces choses-là. Il faut savoir une chose sur les menteurs, petit. Ils mentent. Ils le font par principe. Ah, ça ? Il n'y a rien de trop infime ou trop grand. Ils mentent autant qu'on voudra bien les croire. Et parfois au-delà, rien que pour prouver leur emprise sur la réalité. Tu dois toujours garder cela en tête. Ok. Bon, les amis. On va voir ce qu'on l'âme peut du faire. Chaos. Hop, c'est amélioré, rien à péter. Toi, tu m'as toujours pas dit qui avait fait ces choses. Ça me paraît pas mal. Ok, encore améliorable. Très bien. Améliorable de fou. Attends, parce qu'en vrai, il y a la hache aussi, les gars. Oh là là, quelle angoisse. Ok. Très bien, le pommeau. C'est un beau pommeau. Ok. Et le bouclier,
améliorable. Il y en a qui vont souffrir. Défense, chance. J'espère que tu te sens remonté. Ok. Et pour le fiston. Qu'est-ce ok, c'est pas mal. C'est pas mal, les on amis. A d'autres trucs à pff, on a trop de trucs à faire. On a trop de trucs à faire. On a les dragons à droite. On a les deux bus. Je te prends les j'aime bien me creuser la les deux Gugus ou... Quoique, est-ce que j'ai bien fait le tour là-bas? J'ai bien fait le tour près de l'orage. Ok, on va les check. On va les check. Hop, ça je prends. Hop, ça, ça améliore la rage. Oh, en plus, ça, c'est un destructeur de plaisir. On fait quoi? On tente... ouais, mais non, il me faut de la rage, hein, on est d'accord. Hein. Il me faut de la rage en folie. Hein. Il me faut de la rage en folie. On va aller checker un petit peu ce qui se passe là-bas, près de l'éclair. Là, je m'en souviens plus trop, je vous avoue. Je m'en souviens plus trop. Là, on a le mec... Comment on fait pour aller... Oh, au fait, pendant qu'Odin me faisait visiter Asgard, ses corbeaux nous ont emmenés à Svartalfheim. J'ai revu Durlin. Bizarrement, il essayait de faire son travail. On a fait semblant de ne pas se connaître. Enfin, je crois qu'il faisait semblant. En tout cas, Odin n'est apparemment pas au courant que Durlin nous a aidés à... On va faire le tour de l'éclair. Ça, c'est bizarre, ça. Il me semble pas l'avoir vu, cet animal. Il me semble pas l'avoir vu. Par conséquent, on va essayer de faire le tour pour aller checker le merdier. Allez, très bien. Quoique si, je suis peut-être un menteur. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Tiens, 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 encore Watt. Ok. Ah si, 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 c'est bon. Vache. Quel enfer, ça. Quel enfer. On va essayer les deux. Si, c'est bon, j'y suis allé, j'y étais. Ok, très bien. On va essayer les deux Gugus. On va... direction... Ok, c'est le premier animal, effectivement. Je m'en souviens très, 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 très bien. Ok. Ok, ok. C'est là où on avait fait le dragon, même, qui plus est. D'accord. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y avait même le petit écureuil. Et là, il y a la quête secondaire. Ok. On l'avait parfaitement, mais parfaitement fait. Bon, allez, on va essayer un combat, les amis. On va essayer un combat. Et on va essayer de se refaire les deux. Et après, on ira faire le dragon. Et il nous aura fallu 7 épisodes. 7 épisodes. Moi aussi, pour j'ai revu cette dernière zone, c'est incroyable. Quand nous avons forgé la lance, Odin est apparu. Il tenait Durlin et le menaçait, comme s'il savait que je le connaissais. Mais si Odin était au courant, alors pendant qu'on faisait semblant de pas se connaître, lui faisait semblant de nous croire. Wow, c'est vraiment un bon menteur. Ok. Ok, allez, c'est parti. La merde. Vache. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Wow, 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 wow. Tu brûles, crapaud. Ça passera. Ok. Ok. Ok.
Allez, c'est parti. C'est parti, j'emmène en enfer le mec derrière, retenez bien ça. Mais non. À droite, attention. Attends, quoi? Je vais monter sur son dos. Ok. Ok. Allez, très bien. Très bien, on a utilisé une pierre pour rien, c'était presque trop simple. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, on finit cet épisode presque déçu. Presque déçu. Voilà, je vais être honnête. Et ben super, bah je vais pas me plaindre. On aura fait de belles choses. Il reste plus que les dragons des fleuves sur la droite, maintenant qu'il y a de l'eau. Bah écoutez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouvera devant le vendeur pour l'épisode 53. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Forgé par les frères Uldre pour l'offrir à Odin. Comment ça marche? De temps en temps, Dropnir crée des copies d'elle-même. Les frères Uldre ont certainement pensé que si un anneau d'or était un bon présent, une infinité d'anneaux d'or leur vaudrait l'estime éternelle d'Odin. Mais ils se trompaient. Complètement.